Mais avant de vous libérer, j'aurais voulu aborder avec vous quelques points. Merci. Déjà, au nom de la FUP, je voulais remercier tous les sponsors qui ont contribué à faire une édition exceptionnelle du Forum PHP. Certains sont fidèles depuis des années et d'autres nous ont fait confiance pour la première fois lors de cette édition. J'espère que vous avez apprécié leurs animations sur les stands et merci à eux encore une fois. Vous pouvez les applaudir. Merci également à tous nos speakers pour leur disponibilité, leur bonne humeur et la variété des sujets qu'ils ont proposés. Je pense qu'il est important de rappeler qu'apprendre, ça fait partie de notre métier et que justement les conférences et les communautés sont un pilier de cette activité et qu'on peut les remercier encore une fois de nous faire grandir à nouveau. Maintenant, c'est à vous de jouer. Ils attendent un retour de votre part, donc je vous invite à aller sur JoinedIn pour leur donner le maximum de retours constructifs. Comme ça, l'année prochaine, pour le Forum 2020, ce seront des talks encore plus high level. Un petit point sur les antennes. J'espère que vous avez pu vous rendre au village des antennes afin de rencontrer les bénévoles selon les régions. Avec un peu de chance, vous avez peut-être pu rencontrer des bénévoles, enfin des antennes à proximité de chez vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller les rencontrer, à participer à leurs événements et à les aider. On a vraiment besoin de bénévoles pour faire vivre les antennes. Et si vous êtes intéressé à l'idée d'en créer une dans une région où il n'y en a pas encore, n'hésitez pas à contacter le pôle antenne de la FUP. On se fera un plaisir de vous renseigner pour vous aider à créer une communauté locale. Un autre point sur les antennes. Il y a 4 antennes qui vous préparent quelque chose pour 2020. C'est la FUPD qui, après une première édition réussie à Lille, Lyon et Rennes, vous accueillera en 2020 à Lille, Lyon, Tours et Nantes. Il faut savoir que ce sont... Vous pouvez applaudir les villes. Il faut savoir qu'il y avait 4 candidatures qui avaient été soumises et que les 4 ont été acceptées, donc bravo pour la solidité des dossiers. Du coup, la billetterie est ouverte. Ne tardez pas à prendre votre place parce que cette année, toutes les places dans chaque ville étaient complètes jusqu'à 3 mois avant l'événement. Ce sont des événements plus petits que les forums, donc ne tardez pas à prendre votre place. La billetterie vient d'ouvrir sur event.afup.org. L'appel à conférenciers est ouvert jusqu'au 25 novembre. Donc si vous avez un sujet en tête, n'hésitez pas à venir le soumettre sur la page de la FUPD, que ce soit en solo ou en duo. Et si vous avez une idée derrière la tête de sujet, mais que vous n'osez pas prendre la parole, pas de panique, on est là pour vous aider avec notre programme d'accompagnement de speakers. En 2020, on vous prépare également quelque chose du tonnerre, parce qu'en 2020, la FUP fêtera ses 20 ans et PHP 25. Donc on ne vous en dit pas plus pour le moment, mais on va vous préparer quelque chose de dingue pour le Forum 2020. Merci à vous. Vous pouvez vous féliciter parce que c'est vous qui faites vivre et rayonner la communauté PHP et vous êtes de plus en plus nombreux chaque année, donc c'est vraiment top. Et enfin, le meilleur pour la fin, j'aimerais que tous les bénévoles me rejoignent sur scène. Allez, allez, Muriel aussi. Merci à tous et à l'année prochaine. Bravo à tous. Bravo à tous. Voilà. C'est tout.